Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis. On va poser des moustiquaires, donc une moustiquaire comme celle-ci qui s'ouvre là, comme ça, magnétique, mais de l'autre côté, au niveau de la baie vitrée. Donc c'est un système autre qu'un simple cadre qu'on conforte, et je voulais vous montrer. Donc on va poser ça avec mon mari, et je vous montre le procédé. Donc la moustiquaire qu'on va poser, c'est celle-ci, c'est exactement la même que celle que nous avons ici. Exactement la même taille. Mais voilà, il va falloir qu'on fasse un cadre autre. Et surtout, ça va être sur un cadre qui sera amovible, puisque étant donné que c'est une baie vitrée coulissante, on peut pas juste laisser comme ça. Donc il faudra qu'on puisse la retirer et la remettre. Mais je vais tâcher de vous expliquer comme ça. Mais je pense que quand vous la verrez posée, vous vous direz « Ah oui, effectivement ». Puisque comme c'est une grande baie vitrée, on ne va pas faire reposer une moustiquaire de 3 mètres de long. C'est trop fastidieux. Donc c'est ce qu'on a trouvé comme solution. Ce sont des abonnés sur Instagram qui ont fait comme ça et qui m'ont partagé leurs photos. Et je me suis dit que c'était une excellente idée. Donc du coup, on va commencer par faire le cadre. Donc deux tasseaux. Donc c'est des tasseaux comme ça qu'on utilise. Deux tasseaux à 90 et les deux autres du coup. 2,10 m, mais il faut retirer l'épaisseur de ça, et ça c'est combien que ça fait déjà? Je ne sais plus, 2,2. D'accord. On peut gagner de la hauteur. On peut gagner de la hauteur, bah je sais pas. Donc là on avait déjà pris les mesures, mais on revérifie. Combien? 2,10 m. 2,10 m? Ouais, par 11. 2,11 m. Ah oui, mais moi j'avais pris là, c'est vrai qu'on a changé depuis, j'avais pris là. D'accord. Comme ça, on vient 2,11 m. Comme ça. Voilà, c'est ça. On vient glisser dedans et après ça vient... Ici? Oui. C'est dans ce morceau-là. Hein. Oui. Donc oui, Siri s'était mise en route. Donc on va caler le tasseau ici. Donc le tasseau fait 24 mm. Donc c'est suffisant. Ici, ça fait 26 mm, 26, 27 mm. Donc voilà, ça va faire tout le long comme ça. Hop, hop. Voilà, avec les tasseaux. Et ensuite... ce qu'on veut, c'est que le tasseau, bon, on ouvre comme ça, mais ensuite, après, on referme la baie qui va venir coller contre le tasseau. Et ensuite, voilà, ça va faire, en fait, avec la force de la porte, la baie vitrée va tenir. J'arrive pas à bien expliquer. En fait, à chaque fois que j'explique à quelqu'un ce que je veux faire, il voit pas. Mais quand il voit la photo, il comprend. Donc là, une fois que vous verrez installé, vous comprendrez. Et on sera tranquille. Bon, allez, c'est parti. Donc du coup, c'est papa qui s'occupe de la scie sauteuse, parce que moi j'en ai déjà fait plein. Ça, c'est une... D'accord. Ok. Donc moi je tiens pour pas que ça saute. Voilà, donc là on a nos deux tasseaux, deux premiers tasseaux. Et ensuite ici on coupe à 2,10 m du coup. Ici on n'a pas déduit la largeur des tasseaux, puisqu'on a déduit la largeur des tasseaux ici. Donc nous ça doit faire 90 de large, mais comme on va venir ajouter ces tasseaux-là, attends je tiens pas, comme on va venir ajouter ces tasseaux-là ici, voilà, faut que ça compte dans les 90. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire déjà les premiers trous avec un forêt pour après pouvoir visser. Parce que en fait, la toute première qu'on a fait avec Valentin, on n'avait pas de forêt. Enfin, on n'avait plus en fait. Et du coup, on a vissé directement. Mais forcément, ça, le bois se fendait. C'est du sapin, hein, c'est vraiment du tasseau premier prix. Mais c'est suffisant. Hein. Et du coup, voilà, là, du coup, mon mari, il a acheté des forêts. Enfin, on a acheté des forêts. Et voilà, puis c'est beaucoup plus simple, en plus. Non, 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 non
comme ça. Ah, bien joué. Heureusement qu'on fait tous les deux. Non mais, des fois il vaut mieux deux cerveaux. Hein. Voilà, là, donc ce petit détail, c'est pour, voilà, c'est pour faire la place de la vis. Pour moi, c'est facultatif, mais moi, mon mari, il aime vraiment les choses bien faites. Et dernièrement, il s'est acheté une nouvelle boîte avec des forêts, des embouts et tout. Donc, il est très content. Un bijou. Et là, après, tu vois si c'est bien dans le trou. Est-ce que tu sais peut-être tourner le tasseau? Ah oui. Je vais mettre mon coude. Oh, c'est... Voilà. Regardez. Du bricolage avec mon homme, c'est ça. C'est ces blagues un peu nulles. Donc du coup, on fait ça tout le long. Nous, on va derrière Margot. Voilà, donc nous, on a terminé le cadre. Voilà. Oui, si tu veux, mon cœur. Et donc, la première chose qu'on va faire, déjà, c'est de voir si ça rentre et si ça rend ce qu'on voulait que ça rende. Voilà, c'est la première chose à faire. C'est parti. En comme ça. Ouais. Hop. Et là, je ferme. Voilà. Oui, bon. Il y aura peut-être deux mouches qui pourront passer. Mais. Impec ! Voilà. En sachant que là, ici, il faut quand même un battement parce qu'il va y avoir la moustiquaire ici hein, ouais. Qui sera collée dessus. Ouais, donc ça va juste le coincer ouais, un peu. Ça va le coincer encore plus. Impec. Bon, ben on pose la moustiquaire du coup. Oui. Donc la moustiquaire se présente comme ça. Je l'ai pris noir pour devant. Ici, on a le rouleau de velcro adhésif et ça colle très très bien. C'est pas juste du petit scotch, non, ça colle très très bien. Ça colle très très bien. Ici, il y a des punaises si on veut en rajouter. Moi, les punaises là, je les ai pas mises sur la porte de devant, mais pour derrière, on va quand même les mettre. Donc déjà, on va commencer par coller le velcro. Je vais le tenir comme ça. Et ce qui est bien, c'est que le velcro, il est à la même couleur que la moustiquaire. Pardon ? T'as dit quoi ? D'accord. J'ai pas compris. Non, la même taille, non ? Non, non, la même couleur, puisque là, par exemple, sur celui de la porte d'entrée, le velcro, il est blanc. Voilà, comme ça, ça tranche pas. Mais c'est pareil, là, sur celui qu'on a acheté, la taille de velcro que vous avez disponible, c'est juste. Hein. Enfin, vous avez 2 cm de marge d'erreur. Je l'ai mis comme ça. Vas-y, je le tiens. Et donc là, maintenant, je l'ai posé sur la table. Là maintenant il ne reste plus que ce morceau là à poser, le haut. Donc en fait il y a des deux côtés et en haut à poser. Et voilà, c'est posé. J'adore. J'espère juste que ce qu'on est en train de fabriquer, ça va bien aller. C'est parce qu'en fait, on veut une moustiquaire au niveau de la baie vitrée, mais on veut aussi pouvoir sortir sans être embêté par la moustiquaire. Et on s'est dit que ça serait le meilleur moyen, mais ça se trouve, ça sera un fiasco total, donc c'est à voir. Mais qu'est-ce qu'il est costaud, hein. Je sais que tu te retiens de... parce que je suis en train de filmer. Ouais. C'est pas possible. Bon, allez. Mais moi, je porte aussi, hein.
Je porte le trépied. Ah là là. J'aime tellement faire du bricolage avec mon mari, j'adore ça. Bon. Alors, mince, si je mets le trépied dans la piscine, alors, ça donne quoi? Ça passe plus du coup? C'est ça là. Oui, tu vois, je te disais, c'est bizarre, c'est plus grand que... On coupe, non? Ben, je sais pas. Oui, moi, franchement, je couperais. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. C'est plus grand que la taille prévue. Il y a ouais, quelques, après, quelques millimètres. Ça va pas, je sais pas, fragiliser le... Parce qu'il y a un aimant ici. Aïe. Ah, mon pouce. Oh, oh non, tu peux... Ça... Juste l'angle, là. Ouais, ouais, parce que là, il est plus dur, là, celui-là. Bah, c'est parce qu'il y a le velcro. Ici, c'est pas... Ouais, moi, je couperais. Comme ça, tac, pour voir. Impec. Et à mettre, c'est... Enfin, oui... Ah, bah, ça va oui, tout seul, vas-y. Ouais, là. Donc oui, que ce soit Thibaut, Valentin ou moi, on peut mettre quoi. Là. Ouais, faut. Ouais, si, si, c'est bon. Bon, bah, ça va. Ouais, ok, impec. Ouais, ici. Ouais. Ouais, mais les tasseaux sont pas droits. Alors, ouais, c'est. Ça va quand même grandement limiter, hein. Tu vois. Mm. Donc, impec. Oui, c'est vraiment pas mal. Excusez-nous pour tout ce bazar, mais vous êtes là pour les moustiquaires. Non, mais en fait, j'ai rien dit. C'est quand ça fait courant d'air. Voilà, parce que là, elle est plus aussi serrée. Donc voilà, c'est quand ça fait courant d'air. Oui, c'est parce que c'est vrai, l'autre, elle s'ouvre carrément, oui. C'est les courants d'air. Voilà, donc à voir si ça va tenir dans le temps. Donc du coup, ça me permet de vous montrer mes encadrements de fenêtres qui ne sont absolument pas propres. Voilà. Donc là, maintenant, c'est posé. Et donc pour la retirer, c'est tout simple. On ouvre la fenêtre. On décale un peu. Vas-y. Hop, on décale un peu. Hop, on lève. On abaisse. Et voilà. Et vas-y, tu la mets maintenant. Voilà, hop. Pause. Voilà, faut... Non, c'est pas tout à fait bien mis, là, ici. Si, là, si. Voilà. Voilà, donc ça prend 15 secondes à mettre, 15 secondes à retirer. Bon, là, ici, ouais, ça fait un bon trou. Mais c'est le tasseau qui est pas droit. Je sais pas comment on pourrait faire. Puis on peut pas dire on met un truc ici pour que ça tienne. Ah bah là après ouais. Va falloir faire du oui voilà c'est ça. Du comment ça s'appelle. Ah je sais plus comment ça s'appelle mais je vois ce que tu veux dire. Bref bon et bien voilà on est content parce que c'est bien c'est pas au top du top mais ça va quand même vachement limiter. Je suis contente puis c'est une solution assez économique parce que bah parce que c'est ce qui revient le moins cher en fait de faire avec des tasseaux de bois. Voilà. Donc je suis vraiment super contente. On va enfin pouvoir laisser la fenêtre ouverte sans être envahie de guêpes et de mouches parce qu'on a beaucoup de guêpes cette année. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de guêpes. Et voilà. On a encore deux moustiquaires à faire, mais je pense, bah, en fait, c'est même pas je pense, c'est qu'on va pas, on ne va pas les faire aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas assez de tasseaux. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un coup avec mon mari bien mérité, même si c'était pas très compliqué. Et après, je vais aller nettoyer mon encadrement de fenêtres. On va aller boire un coup. Et tadam! Viens! Viens! Tu viens montrer? Elle veut plus vous montrer comment elle rentre, mais elle sait bien faire! Vas-y! Oui, bon, bien sûr, faut pas s'attendre à grand chose, hein, c'est Loki. Hein. Elle a vu des guêpes, elle préfère aller manger les guêpes. Tu viens?
Allez, montre comment tu sais sortir. Voilà. Allez. Hé. C'est pas possible. Ça fait une heure. Ça fait une heure qu'elle rentre. Elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Et là, elle veut pas montrer. En fait, elle se frotte la tête contre la moustiquaire jusqu'à ce qu'elle s'ouvre, en fait. Et elle donne des petits coups de tête, donc c'est cool parce qu'elle donne pas de coups de patte, donc ça c'est vraiment super chouette. Et c'est trop cool en fait, parce que du coup elle peut rentrer, elle peut sortir comme elle veut, elle a compris comment ça marche. Voilà, excusez. Et en fait, depuis ce matin, j'essaye vraiment de la capter pour entrer et pour sortir, parce que là pour sortir c'est plus simple que pour rentrer. Mais voilà, du coup elle préfère faire sa toilette, voilà. Vas-y, montre. Allez, montre. Non mais elle allait sortir, elle allait, j'ai vu. Ah voilà, elle monte. Monte. Ouais, t'es trop forte.